Je me disais qu'il n'y aurait personne ce matin. Bonjour tout le monde. Mathilde, Véronique, Nadia, Ghislaine et tous les autres cachés. Les cachés et pas les visibles. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Là aussi pour une vidéo qui devrait être relativement courte, la petite demi-heure. Avant celle de samedi, fondamentale. Ah, oui, Catherine, ben moi j'en ai pas, donc je fais. Mais à tout à l'heure en replay pour un certain nombre. Bonjour Alice et celle que je n'ai pas nommée, Nathalie et d'autres. Bonjour Pierre. Hello, hello, hello Elbou. Donc l'idée ce matin, c'est de parler un peu de politique. Local, mais pas seulement. Remettre les choses à leur place. Je ferai une parenthèse sans doute entre justement avec ce qui se passe ici et notamment avec ces histoires suite au salon et ma communication qui va de toute façon avec cette politique politicienne qui vise à faire carrière plus qu'autre chose. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bon, je vais donc. On va commencer. Je pense que la plupart regarderont en replay. C'est mardi, on attaque le boulot de la semaine. Donc voilà, oui, rififi dans les mairies. Salut Anissa. Rififi dans les mairies, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur les ministres, l'ersatz de président, les ersatz de ministres hein, qui aujourd'hui sont déconnectés, débranchés, bref, ils sont dans le nettoyage éthérique ou subtil, comme vous voulez. L'idée, c'est d'aller regarder un peu plus bas. Parce que tous ces gens, ministres et sénateurs et députés, à un moment donné, ils ont été. Pour la plupart, évidemment, il y a toujours des exceptions. Pour la plupart, ils ont été maires ou présidents de communauté de communes, ou des présidents de département. Alors évidemment, si j'en parle, c'est parce qu'ici, c'est exactement le cas. La plupart ont été à ces postes-là. Et je voulais aussi mettre l'accent, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué directement, qui n'en ont pas une conscience permanente, j'ai envie de dire. C'est mettre l'accent sur la différence fondamentale entre le maire et la responsabilité d'après, quelle qu'elle soit, département, communauté de communes, quelle qu'elle soit. Le maire, jusqu'au maire, en fait, l'élection se fait comment? Par les administrés, par un vote des individus lambda qui habitent la commune, sauf tricherie, bien sûr. À partir du stade du dessus, bonjour Arlette, bonjour Yvon. Le stade du dessus, ça se passe comment? L'élection se fait par les pairs. Ça veut dire que le côté politique, il entre encore plus en jeu. Parce qu'on doit faire bien pour les gens qui sont autour et pas forcément pour les gens qui sont dedans. C'est toute la nuance à apporter aujourd'hui entre un maire et un président de département ou président de communauté de communes, etc. Ce ne sont plus les personnes, ce ne sont plus les individus qui votent pour eux. Il y a toujours des représentants intermédiaires. À partir de là, l'intérêt de ces personnes pour leurs administrés ne devient pas nul pour tous, mais pour le carriériste de chez carriériste qui veut devenir député ou sénateur, c'est fondamental et c'est le genre de type qui ne fera donc rien de spécial pour les administrés. Ce qui compte, c'est que lui monte. Donc, pas de vagues, pas de bruit. Il y en a qui commencent à voir ce que je veux dire par rapport à ma communication. Bonjour Stéphanie, Muriel. Pas de bruit, pas de vagues dans les villages pour qu'on puisse être élu encore au-dessus. Toujours plus en faisant taire en dessous. Parce que sinon, ben évidemment, ça met du poivre, j'ai envie de dire du poivre, même de la moutarde dans un plat qui n'en mérite pas. Et bien évidemment, c'est ça qui est en train de se passer bah, ici, comme plein d'autres villages, où vous avez en réalité une liste qui est poussée par celui qui est encore au-dessus pour son avancement et son intérêt personnel, pour son carriérisme politique. Et c'est là que j'ai envie de vous inviter tous,
par rapport à ce qu'on... Bonjour Stéphanie. Par rapport à tout ce qu'on dit au niveau des maires, sachez que les maires, et j'en rencontre en ce moment, c'est curieux, mais il y en a qui viennent là. Et c'est ça qui est assez marrant d'ailleurs, c'est assez jouissif. Les maires le disent, le problème aujourd'hui, c'est que les responsabilités ont été basculées vers les présidents de communautés de communes. Mais, et même la création de projets. Toute la merde, en gros, hein, tout ce qui est difficile à faire, d'aller voir des familles ou de tout ce qui est voilà qui peut être glauque ou qui est comment je dirais la sécurité publique, tout ça on le délègue au maire, là on le laisse faire le maire, il se démerde. Mais dès l'instant qu'il y a du projet, du truc, c'est ça rentre à la communauté de communes. D'où l'intérêt d'y être, évidemment, quand on aime le pouvoir. Alors, je passe sur les retraites, les salaires cumulés, le chauffeur, le truc, parce qu'évidemment, on commence à avoir un chauffeur. Et les défraiements. À propos de défraiements, salut Val, à propos de défraiements, observez, il y a eu, bon, on le voit peut-être moins là ces jours-ci, mais pendant quelques temps, on avait un maire, régulièrement, il y avait un maire qui était mis en lumière là pour ses problèmes de gestion. Qui était lié en général à des fiches de resto, d'hôtel, je ne sais quoi, qui n'étaient pas remplies au dos. Depuis quelques 10-15 ans, c'est obligatoire de mettre le nom des personnes invitées au dos. Et le problème de ces mairies, c'est qu'elles n'y sont pas, ces noms-là. Et même si certains me reprochent cette obsession, c'est souvent des invitations à des loges satanistes, à des messes noires, à des colloques personnels, individuels. C'est ça aussi l'imbrication politicienne. Donc, ça veut dire qu'il y a évidemment des... Bonjour Anne, bonjour Martine. Il y a donc des maires, évidemment, qui sont bien. On ne peut pas le nier. De toute façon, c'est partagé. Mais vous avez... Regardez, si vous voulez commencer à renverser les choses, même s'il y a d'autres choses qui se font sur un plan parallèle, dont je parle et que j'affiche le matin de bonne heure, même s'il y a ça, salut Mathieu, regardez... Qui se présente, qui est sur la liste des maires, qui, notamment des maires sortants, sur lesquels vous trouverez systématiquement un président de communauté de communes, président de département, qui a envie de garder sa place, voire d'aller plus haut. Et qui pousse donc au minimum le maire sortant à se représenter pratiquement en son nom. Un exemple tout simple. Ici, vendredi dernier, il y a une réunion électorale qui s'est passée chez la personne dont je parle. Évidemment, pour réunir ses ouailles et ce qui montre relativement simplement que, et facilement, même trop facilement quelque part, parce que quand on a des personnes qui ont envie de se battre contre ces gens-là et qui viennent ici pour m'en parler, c'est quand même une drôle de coïncidence, mais ça montre qu'on n'est pas à l'abri, on est à l'abri nulle part, et donc il faut être intègre, il faut être honnête avec soi-même. Et ce n'est pas le cas de ces gens-là qui sont carriéristes. Et quand on est carriériste, on oublie ses administrés. Ce n'est pas eux qui vous font monter. Et puis on se sert de l'intermédiaire, donc le maire, à qui on délègue, à qui on demande de faire taire un tel ou un tel. Et voilà exactement ce qui se passe. Et évidemment, vous, puisque vous êtes là, c'est parce que je cause dans le poste, dans le micro, et que pour me faire taire, il va en falloir. Surtout qu'à côté, il y a donc ce nettoyage qui se fait. Et ce nettoyage ne se fait pas que sur les hommes politiques du haut. Il ne se fait pas que sur les artistes. Mais il se fait aussi, donc, comme je l'ai marqué, dans leur entourage du genre qui les soutiennent dans leur mauvaise direction. Et c'est en train de se multiplier, puisque depuis le 10... Donc, la semaine dernière, c'est 2 personnalités par jour plus 1. Et d'ici quelques jours, ça sera 3. Donc, tous ces gens-là qui magouillent, qui mamaillent, qui sont sûrs de leur fait, il n'y a qu'une chose qu'ils ne savent pas, puisqu'ils ne sont pas du tout préoccupés par ce côté bien-être, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans leur dos, si on peut dire, au-dessus de leur tête, tout en haut, là, et que ça va les affecter au point qu'ils seront obligés de se taire. Alors, tout ça, c'est pour dire... Ben déjà, c'est pour dire mon envie et ma démarche politique, si on peut dire, mais c'est surtout de rendre un village, comme je l'ai marqué dans un petit flyer qui sera distribué très bientôt, de rendre le village, de rendre la connaissance aux gens d'une part et de rendre l'activité aux gens. J'ai envie de vous inviter tous à faire pareil, à militer, alors militer au sens
sémantique du mot, militer contre ces listes-là où il y a une personnalité politique qui est au-dessus et qui est là pour, de toute façon, faire carrière encore plus haut et pour maîtriser le bas. Parce que c'est ça le truc, hein. C'est une toile d'araignée, hein. Plus il va haut, plus il chapote et plus, du coup, il contrôle le reste, hein. Est-ce que c'est pour les administrer? Ils vont vous dire que c'est pour le projet un tel, pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est la reconstruction d'une pyramide, hein. On est en train de l'univers est en train de les éclater. On est en train de les dénoncer et on les laisserait faire. La mairie, jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose de relativement nauséabond dans le sens où personne n'a le contrôle. Il n'y a aucun maire qui a le contrôle de sa mairie quasiment. Il obéit plus ou moins à l'échelon du dessus. Sauf, encore une fois, la merde qu'il y a à faire. Les gens qui ont fait 15 ans, 16 ans dans la mairie, bah, peut-être qu'il faut changer plus souvent. Et effectivement, super pour se gaver, bah, évidemment, vous allez partout. Vous faites, en fait, c'est comme un patron d'entreprise. Et là, mais par contre, ceux-là, je les défends. Les patrons d'entreprise qui ont 120 personnes, j'en ai côtoyé, j'y étais. Dans une entreprise de 120 personnes, quand vous êtes tout en haut, vous faites le social. Vous ne faites même plus votre boulot. Il n'a pratiquement plus rien à voir, ce boulot, à part peut-être un choix technique, un choix de matériel pointu. Mais vous ne faites plus votre boulot. C'est que du social, du politique, politico-social. Mais à aucun moment, vous faites un boulot pour le bas. Parce que ce boulot politico-social, il vous sert à vous pour grimper, hein. Ça ne redescend jamais. Ça ne redescend jamais. C'est comme une subvention qui arrive ou qu'on ne sait pas où elle est. Comme des contrats signés sous pression de celui qui est au-dessus, puis du coup, on prend toute la gamelle dessus parce que c'est illégal. Ou comme il est en train de se passer avec mon cas. Est-ce que c'est parce que je présente une liste ou parce que j'aimerais présenter une liste? Est-ce que c'est parce que je parle trop et que je dis que je ne suis pas d'accord avec la mairie à propos des remerciements? Parce que je considère que quand on fait bouger le village, la moindre des choses, c'est que la mairie nous remercie. Ben là, on est assez con pour faire le contraire. Quand on dit que tout n'a pas été fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? Parce que ça met en porte-à-faux des personnes. Bon sang de bonsoir. La liberté d'expression. Il n'y a plus de son. Ben moi, je n'ai pas de souci particulier. Peut-être un bug. Peut-être ici, il y a des téléphones qui interfèrent. Peut-être aussi. Peut-être qu'il ne faut pas parler de la mairie, après tout, aussi. Hein, c'est quelque chose d'assez sournois et pernicieux. Alors, si vous n'avez pas de son, dites-le à plusieurs, parce que ça évitera que... Sinon, j'arrête tout de suite. Non, apparemment, ça roule. Donc, tout ça pour dire, battez-vous aussi local. N'ayez pas peur de vous engager au niveau d'une mairie. Je sais qu'ici, il y en a. N'ayez pas peur de vous engager au niveau d'une mairie, puisque tout change. Tout change vraiment beaucoup à partir de ces élections-là. Ok, merci Catherine. C'est aussi moyen, là, en se battant comme ça et en postulant, ou même en rentrant dans un conseil. Vous n'êtes pas obligé de vous voir maire. Moi, je le fais parce que là-haut, on me dit qu'il faut, donc je fais. Je le fais parce qu'on me donne d'autres infos aussi qui feront que ça, bon, tout ça, ça va se modifier. Donc, ok, c'est bon pour le son, merci. Donc, allez-y aussi. Si vous voulez vous battre, c'est pas seulement toujours en allant voir tout en haut, comme ça on risque rien, parce qu'en haut, de toute façon, il nous arrivera rien, on les connaît pas. Mais en bas aussi, il faut y aller au combat. Alors au combat, au sens strict toujours. On peut pas laisser faire. Sachez quand même que, rappelez-vous, ayez conscience que tous ces sénateurs qui sont vérolés aujourd'hui, comme par exemple en Alsace, où ils contrôlent le réseau de prostitution et de trafic, d'organes et de prostitution infantile entre la France, l'Allemagne et la Bulgarie, ce sont des sénatrices. À un moment donné, tous ces gens-là, de toute façon, qui sont en train d'être éliminés, c'est ce qui va d'ailleurs permettre de pouvoir faire monter les âmes de tous les enfants sacrifiés, notamment, ben, à un moment donné, ces personnes-là viennent d'en bas. Hein. Donc ne les laissez pas monter, ne les laissez pas gagner avec une liste, battez-vous. Battez-vous. Alors, c'est un peu, évidemment, je fais aussi cette vidéo parce qu'officiellement, voilà, je présente une liste, j'attends que des personnes adhèrent, évidemment. Et puis, s'il n'y a personne, il n'y a personne. S'il y a moins de monde, ça ne sera pas bien grave. Ça ne m'empêchera pas de vivre.
Sauf qu'entre deux, il va se passer des choses par rapport à ce nettoyage et des choses qui vont faire que. Sentez-vous guidé par ce fameux nettoyage, cet appel à participer au mieux, à participer à ce qui est en train de se développer un peu partout. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Lille, c'est Lille, pareil, Estrosi, enfin tout ce qui est, je vous dis, tout ce qui est. De toute façon, aujourd'hui, tous ces gens-là sont virés. C'est pas compliqué. Tout, quasiment tous les politiciens sont virés. Il va en rester que très peu, dont trois majeurs, comme je le dis depuis 1 an et demi, qui seront là normalement, je pense, mars ou juin, pour juste, je dirais, accompagner économiquement le pays, alors que les décisions se prendront par un collège de personnes, qui ne sera pas le tribunal de Milan, qui ne sera pas la table ronde des éveillés ou des, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça sera guidé par des personnes. Mais il y aura trois personnalités politiques qui vont rester, qui vont vous surprendre sûrement d'ailleurs, parce que le délit de sale gueule, vous êtes les champions pour ça. Et quand je dis vous, je ne dis pas forcément vous qui êtes là tout de suite, mais qui regarderont après, et qui mettront évidemment des commentaires salaces dont je me fous éperdument. Et donc l'idée, elle n'est pas de faire de la politique, elle est comme dirait l'autre, de remettre l'église au milieu du village. Et à la limite, c'est. Même l'allocution exacte, puisque l'idée, c'est aussi de redonner l'Église aux soins et non pas au culte. Et quand je dis au culte, ça doit résonner. Adhérer au culte, l'occultisme. Revenons aux soins, revenons à l'histoire, revenons au bien-être et à faire en sorte qu'il y ait un maximum de possibilités non liées au fric dans les villages, puisqu'aujourd'hui, on vous répond pour dynamiser un village. Qu'on crée un marché ou qu'on crée des paniers pour les anciens, ce n'est pas vraiment de la dynamique. Et puis, comme d'habitude, c'est parce qu'on parle de pognon. En créant un salon de bien-être autofinancé, qui n'a donc pas eu besoin, ça aurait été bien pour l'année suivante, mais qui n'a donc pas eu besoin non plus d'une tombola, dont on me reproche l'échec, alors que l'idée n'est même pas de moi. J'adore cette notion. Battez-vous, créez, 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 au bon sens, ouais. Créez quelque chose et militez, s'il vous plaît, militez contre ces listes où il y a le sénateur ou le député. J'ai envie de dire d'office. Dirigez-vous vers des endroits où on veut redonner la part belle aux administrés, leur donner l'occasion d'aller dans des rendez-vous comme par exemple pour l'art. Dans une exposition où il n'y aurait pas seulement que les bénévoles de cet endroit qui y auraient accès. Non, c'est pas normal. Pour l'histoire, ben les églises disparaissent parce qu'il y a moins de personnes, parce qu'on sent tous qu'il y a un problème au niveau des églises de toute façon. L'église est un lieu de soins, je le redis, je le dirai, je le redirai. Je l'ai déjà dit 20 fois, je le redirai 20 fois s'il faut. L'Église est un lieu de soins. Je referai une vidéo avant la fin de l'année. J'en ferai peut-être une même le 25. Ce n'est pas impossible, le 24 ou le 25, parce qu'il va se passer des choses assez étonnantes. Il devrait se passer des choses étonnantes. Hein, faut toujours dire du conditionnel, sinon on est pris pour un gourou. J'en ferai une sur les églises pour expliquer vraiment comment ça marche. Jean-Claude Bourret, comment ça marche? Non, c'est Michel Constantin, oh, je ne sais plus. Les églises, on réexpliquera ça aussi. Le rendre aux soins. Et si on le rend aux soins, il n'y a pas besoin de toutes ces idoles que l'église dénonce elle-même. Pas d'idolâtrie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont disparaître. Pas d'idolâtrie. Des gens humbles. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, hein. Il y en a une paire là, qui vont sauter là, cette semaine. Ça va vous faire. Enfin, ça va vous faire sourire, évidemment, plaisir sans doute, parce qu'on peut pas, faire semblant de ne pas être réjoui quand des personnes malsaines qui font du mal aux enfants disparaissent. On ne souhaite pas, mais quand c'est fait, on ne va pas pleurer non plus. Surtout qu'on sent aujourd'hui une libération d'un certain nombre de paramètres et d'énergie. Artisan smart et grand ensemble. De toute façon, voilà, il faut retrouver l'humilité, il faut rendre l'église aux soins, il faut rendre les châteaux
comme ici notamment, où à 17 h il fait noir, il n'y a pas une allée qui est éclairée alors qu'il est ouvert jusqu'à 19, 20 h. Tous ces trucs-là, faut remettre du bénévolat, mais du vrai bénévolat, pas toujours en train de donner la soupe à quelqu'un, qu'on la partage chez soi, mais qu'on arrête de la donner dans la rue, même si c'est nécessaire par moment. Il y a aussi ce bénévolat qui consiste à enluminer, faire venir des touristes, faire vivre le commerce. Le sens de l'humanité, c'est d'explorer. L'homme pêcheur, ça n'a jamais existé, l'homme pêcheur, c'est l'homme explorateur, la traduction, ce n'est pas pêcheur, c'est pêcheur d'information. On a joué sur le mot, bien entendu, comme le mot initié, dans les mêmes moments, ou comme d'autres mots. On est dans l'exploration permanente, on a toujours besoin d'aller voir ce qui se passe pour exister, pour visiter, pour changer, pour grandir dans sa spiritualité. On est obligé d'aller ailleurs. On ne peut pas rester comme ça enfermé, sinon il faut qu'on cherche aussi en haut. Donc, on a ce rôle d'explorateur. Eh bien, une mairie, c'est pareil, j'ai envie de dire. On doit rendre attractif, on doit développer, et ce n'est pas forcément toujours avec du fric. Mais surtout, déjà, avec des idées. Pourquoi on aurait toujours besoin de mettre du fric dans la balance pour arriver à créer des activités? L'autofinancement, c'est quoi? C'est développer la venue des uns et des autres. Et ne serait-ce que l'énergie et l'enthousiasme. J'ai envie de dire l'enthousiasme presque. Tellement il y a des gens qui se contentent de peu et qui sont tous contre. Et d'ailleurs aussi, alors un truc, méfiez-vous, parce qu'il y a plein de gens toujours autour qui sont contre les personnes que vous visez, enfin que vous cherchez à éjecter, j'ai envie de dire. Il y a toujours des personnes contre. Et puis tout autour, tout le monde vote tout le temps pour eux. Comme s'il y avait une douille prête à partir pour leur cas. C'est quand même assez surprenant, je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, mais ici, en tout cas, c'est le cas. Ici, c'est le cas. On ne cherche pas, on cherche à étouffer. Quand un événement réussit, on essaie de se l'approprier, et quand il rate, eh ben, on dit que c'est de la faute de celui qui l'a organisé. C'est fastoche, c'est efficace, c'est le cas du pôle communication ici, que j'ai démarré, c'est le cas de livret d'infos, c'est le cas de newsletter, c'est le cas du salon. Puisque même pour le salon, on me demande de fournir les documents des événements en gestation. C'est quand même fou, quoi. Je crois qu'ils ont oublié la notion de propriété intellectuelle. C'est qu'en gros, quand vous travaillez à un endroit, vous appartenez à cet endroit. Pardon, monsieur. On confond toujours tout. Association, adhérent, participant, bénévole, tout est toujours mélangé, suivant comment ça arrange qui. Là-haut, la tête, qui a mis ses pions partout pour justement avoir avoir vent et avoir vent de tout ce qui se passe en dessous, de façon à le maîtriser le plus possible, en asservissant ses propres castés, ses propres pions. C'est un peu ça. Minorité, je suis pas sûr, Alice, hein. Il y en a bien plus que ce qu'on croit. Des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont bien finis. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave du moment que je m'en sors. Les autres, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a aucune notion d'humanisme, aucune notion de partage là-dedans. On est toujours dans l'individualité. On y revient dès l'instant d'ailleurs qu'un projet, dès l'instant qu'un projet collectif commence à aboutir, on commence à plus voir personne. C'est logique, hein? Il y a rien d'étonnant. Puis d'ailleurs, c'est pas non plus une animosité. Simplement, c'est un fait. C'est un fait que quand vous commencez à aboutir, pourtant il faut aller jusqu'au bout. Il faut même développer après. La communication, c'est tout du long. Ce n'est pas un truc qu'on fait juste une fois pour. Si on le fait juste une fois, ça s'appelle de la publicité comme on a dans la télé. Et si les gens achètent ce qui passe dans la télé, c'est parce que ça passe en récurrence. Alors, voilà, j'ai pas. Bon, il n'y a pas. Je n'avais pas envie de faire grand, je dirais, live de 30-50 minutes, ça ne sert à rien. L'idée, c'est bien de faire comprendre que même localement, on peut se battre, on peut reprendre la main. Il va falloir reprendre la main puisqu'il y a des gens qui vont être aussi nettoyés, éjectés. Donc observez, observez, et vous verrez que, et vous verrez qu'il y a des gens qui vont dégager. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont potentiellement qui vont flancher et qui vont donc laisser plus ou moins la place. Alors, prenez-la. Prenez-la, essayez de la prendre.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Et puis, bon, c'est un petit peu pollué au dehors, là. Je ne suis pas au calme. Mais en tout cas, c'est en toute sérénité que je le dis. Je constitue une liste pour aller justement au-devant de ça. Parce que même si on me le demande, même peut-être vous, vous ne le sentez pas qu'on vous le demande, vous pouvez le faire aussi. Lutter, vous mettre en opposition, à défaut de faire pour les gens, faites-le en opposition de ceux qui ne veulent pas le faire. Et ça fera du bien à tout le monde. Donc allez-y, foncez. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Après, si, voilà, si vous avez des idées, des questions, toujours en extérieur, enfin en privé, ou sur, enfin, sur la page en tout cas, mais pas forcément ici, comme ça je coupe et on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin de faire 2 heures autour d'un live. Tout simplement, ce que je vous ai exposé là, c'est bien évidemment ce qui se passe ici, bien évidemment, de façon très marquée. Mais encore une fois, plus le temps passe, plus je reçois des gens qui témoignent, qui expliquent, qui donnent des billes, des cartouches. Et ça va donc se retourner évidemment contre eux, puisque je le rappelle, comme je l'ai dit hier, ma mission à moi, c'est de révéler tout ça et de le faire sauter. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, je ne suis pas tout seul, puisque l'univers en fait bien plus que moi, évidemment. Mais on a tous notre place, on a tous notre rôle, notre chemin de vie. Et dans les moments, pardon, dans les moments maintenant où il faut renverser tout ça, cette pyramide, l'inverser, donc changer la boussole. La boussole, c'est une pyramide en 2D, hein. Changer, tourner la boussole, changer d'orientation, ça veut dire qu'il faut rentrer dedans, ces gens-là. Mais alors là aussi, alors bien sûr, après, il y a les villages avec les familles et compagnie. Ce ne sont pas forcément des gens nocifs, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et parce que. Enfin, dans le monde et localement, parce que bien évidemment, ce qui se passe localement, c'est exactement l'image de ce qui se passe plus haut, hein. Vous transférez une petite pyramide vers une grosse, hein. Ça revient pareil. Mais comme en haut le nettoyage se fait, sachez bien, soyez bien conscient que le nettoyage se fait aussi en bas. 1 plus 88 dans l'entourage. Et il y a les plus petits qui ne sont pas des personnalités, dont on n'a pas forcément leur image qui vient, qui arrive. Mais. Je vais en savoir plus dans les jours, voire dans les heures, voire dans les petites minutes qui suivent. Parce que quelque chose me dit dans les réponses que j'avais ce matin que ça va changer très très vite. Et c'est pour ça que cette vidéo, on me demandait de la faire aujourd'hui. 17, le jour de l'étoile. Le jour de l'étoile, le jour du ciel, du céleste. Ok, donc voilà, attendez-vous à des profonds changements dans les. Encore une fois, on arrive au 21, il ne reste pas 3 mois. 3 mois pour que des choses importantes se voient. Si elle ne se voit pas encore, ben, rajuster, réajuster ou acheter une autre paire de Dieu, hein. Et puis voilà. Voilà pourquoi chacun a sa secrète, mais rester bien centré et tenace. Et ben oui, à sa place. Chacun a sa place, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver, de s'égosiller. Sachez aussi, tiens, un chiffre en passant, qu'on n'est plus 7 milliards. On ne l'a jamais été d'ailleurs, puisqu'on était 6 milliards 8. Mais on n'est plus que 5,5. Hein. Donc je peux vous dire que tous les jours, là, de partout, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Dans l'entourage, à l'extérieur, dans les mairies, l'État, partout. Tout se fait au fur et à mesure de ce nettoyage, de en quelque sorte, de cette absorption de l'âme, ce nettoyage. On enlève les âmes, grosso modo, et ça dérègle un petit peu. Bonjour tout le monde et au revoir, parce que j'arrête là. Et ça dérègle un peu tout le monde, donc la pilosité, la forme du visage, enfin il y a des choses qui bougent, parce que justement l'âme, elle est enlevée, voire déprogrammée. 5,5 environ, milliards, et non pas 7. Ça en fait un paquet de moins déjà. Hein. Donc, œuvrez pour vous, œuvrez pour l'univers, œuvrez pour les enfants, pour les femmes, œuvrez pour le bien-être collectif. Voilà le message du jour. Et donc sur ce. Excellente journée. Et puis à samedi soir donc un récapitulatif complet sur le pédosatanisme. Complet. Puisque j'ai encore eu des éléments hier soir qui confirment le tout. Alors voilà, bonne journée, excellente semaine. Et puis donc à samedi, sauf si entre deux, je dois faire une vidéo sur les églises notamment, mais je pense que ça sera plutôt dans la période de Noël. Pour ceux qui seront là, on verra bien. Oui, j'avais raté ces quelques messages, mais bon, on en reparle ultérieurement. Allez, je vous laisse. Bonne journée, à très bientôt. Merci beaucoup d'être là.